Dans la dernière vidéo, on a expliqué ce qu'est le théorème binomial et on l'a appliqué à cet exemple-là, le calcul de a plus b puissance 4. Et on a remarqué deux choses. Que déjà, obtenir euh, les a et les b dans chaque terme et leurs exposants, c'est assez simple parce que bah, les exposants de a, ça part de n, donc de 4 dans, ce, dans ce, cet exemple-là. Et ensuite, on baisse de 1 à chaque fois. 4, 3, 2, 1, 0. Et pour b, ça part dans le sens inverse 0, 1, 1. 2, 3 et 4. Ensuite, on a expliqué la méthode pour trouver ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. 1, 4, 6, 4 et 1, qui sont les coefficients devant chaque terme. Et par exemple, pour obtenir ce 6, on a vu que c'était euh, 2 parmi 4, donc 4 fois 3 divisé par factoriel 2. Alors ensuite, euh, imagine qu'on faisait a plus b à la puissance 7 et qu'on allait à des puissances plus élevées. Là, on aurait 8 coefficients binomiaux à trouver et ce serait assez fastidieux de faire le calcul de, de chaque combinaison. Et face à ce problème, euh, eh bien on peut utiliser ce qu'on appelle le triangle de Pascal, donc nommé après Blaise Pascal, qui était entre autres philosophe et mathématicien hein, français du XVIIe siècle. Alors par contre, attention, ce n'est pas lui qui a inventé ce triangle de Pascal. Euh, il avait déjà été inventé par des mathématiciens indiens et perses au XIe siècle. Alors voilà le triangle de, de Pascal, il est organisé en, en lignes et chaque ligne correspond à la puissance à laquelle je mets a plus b. Okay Donc euh, on commence par a plus b à la puissance 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, et allez, je vais aller jusqu'à 6, tu vas voir que c'est assez rapide. Euh, alors a plus b à la puissance 0, ça donne quoi comme coefficient Bon, on a juste la constante 1. Ensuite a plus b à la puissance 1, tu es d'accord que ça me donne 1. Et 1 a plus b à la puissance 1 ça donne tout simplement une fois a plus une fois b. Alors ensuite, comment est-ce qu'on passe à la lune suivante C'est là que ça devient intéressant. Une manière de le voir c'est que je vais faire deux embranchements à partir de chaque. Euh, coefficient que j'avais obtenu dans le niveau supérieur. Et ensuite pour chacun, chacune de ces, de ces nouveaux de ces nouveaux emplacements, chacun de ces nouveaux emplacements, tu vois qu'il y en a trois ici, je vais compter le nombre de moyens d'arriver, le nombre de chemins qui font que je peux arriver jusque là. Donc pour arriver jusqu'ici, j'ai que un chemin possible. Hein, je passe par ici. Pour arriver ici, j'ai deux chemins possibles. Soit celui-là, soit celui-là. 1, okay 2. Et pour arriver ici, j'ai un chemin possible. Continuons cette logique pour le niveau d'après. J'ai un chemin possible pour arriver ici. Combien de possibilités pour arriver ici 1, 2, 3. 3 chemins possibles. Une autre manière de le voir, c'est que, que pour arriver jusqu'à 3, je devais avant cela arriver soit jusqu'ici, soit jusqu'ici. Et il y avait une manière d'arriver ici et deux manières d'arriver ici. Donc il faut sommer 2 et 1 ensemble pour savoir combien de manières j'ai d'arriver ici. Et voilà comment on obtient le niveau d'après de manière très rapide. C'est juste en sommant les deux euh, coefficients qui précèdent. 1 plus 2 ça donne 3. 2 plus 1 ça donne 3. Et ici j'ai juste 1. Très bien, bah pour euh, avoir le niveau 4, donc ça va être très rapide. 1, 3 et 1, 4. 3 et 3, 6. 3 et 1, 4. Donc imagine si j'avais fait le triangle de Pascal jusqu'au niveau 4 sans devoir te l'expliquer. Eh bien, en 15 secondes, je serais arrivé ici parce que il y, a, il y a des sommes très faciles à faire. Donc tu seras d'accord que c'est plus rapide que la méthode qu'on a vue dans la dernière vidéo pour obtenir ce 1, 4, 6, 4, 1. Alors allons au niveau d'après. Là tu verras encore mieux en quoi cette méthode est, est rapide. 1 plus 4, 5. 6 et 4, 10. 6 et 4, encore 10. 4 et 1, 5 et 1. Et tu remarqueras la propriété de symétrie. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Et ensuite niveau 6, je commence par 1, 5 et 1, 6, 5 et 10 15, 10 et 10 20, 10 et 5 15 et 5 et 1 6. Et voilà, j'ai obtenu les coefficients pour a plus b à la puissance 6 de manière assez rapide. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que ça marche, cette méthode Pourquoi est-ce que ça marche Et là, on va revenir à des, euh, à des, à des puissances plus faibles pour l'expliquer. Donc, comment ça se fait que a, a plus b au carré, ici, j'ai réussi à obtenir de cette manière-là les coefficients pour donc, a au carré, ab et b carré. Finalement, a plus b au carré, ça me donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Et comment est-ce que j'ai obtenu ça bah, Voyons ce que ça donne de revoir a plus b au carré de cette manière-là. A plus b fois a plus b. Le résultat, c'est que je dois faire la double distributivité. Donc je dois faire a fois a plus a fois b plus b fois a plus b fois b. Fois b. Et on voit qu'il y a un seul chemin possible pour obtenir un terme en a carré, c'est de faire a fois a. Deux chemins possibles pour obtenir ab, c'est en faisant a fois b ou b fois a. Donc, on a AB et BA comme possibilité, AB et BA, d'où les deux fois AB. Et pour obtenir B carré, un seul chemin possible. Je dois prendre ce B là et ce B là. Je vais l'illustrer aussi avec A plus B à la puissance 3 pour te rendre compte encore mieux de cette histoire de chemin possible à emprunter. Alors, pour obtenir A au cube, une manière de voir euh, la, le, le développement de ces, de ces trois facteurs, c'est. Que pour obtenir chaque terme, je, je dois faire un chemin unique. Donc a fois a fois a. Ça, ça me donne un a au cube, et j'ai qu'une manière d'obtenir a au cube. Par contre, pour obtenir a au carré fois b, a au carré fois b, je peux faire la séquence a aba b, a à b à, ou a à b. Euh, pardon, a à b, j'ai déjà dit. Donc b a a. Donc soit je fais a fois a fois b. Soit A fois B fois A, soit B fois A fois A. Et chacun de ces, de ces termes uniques, vu qu'ils sont tous pareils, bah quand je les additionne ensemble, ça me donne juste 3 fois A carré B. Et voilà comment est-ce que j'obtiens le A carré B c'est parce que j'ai additionné ces trois termes ensemble, AAB, ABA et BAA. On peut appliquer la même logique pour expliquer comment on obtient 3 fois AB carré et un chemin unique pour faire B au cube, c'est B fois B fois B. Voilà, j'espère que ça, ça te donne une, une explication, déjà une première intuition sur, sur le triangle de Pascal et l'explication de comment ça marche. Et surtout, ce qu'il y avait à retenir de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on construit le triangle de Pascal pour trouver les coefficients binomiaux.